Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, mardi 26 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Il est 9h du matin, on se pourrait vivre trop tard aujourd'hui. Ophélie a encore passé une sale nuit. Ça commence un petit peu à m'inquiéter, mais elle est têtue. Hein. Mais bon, la grosse journée aujourd'hui, là tout de suite, je vais sortir les poules, les petites poulettes. Le temps n'est pas terrible, hein. Juste entre parenthèses, il commençait à crachiner un petit peu. Grosse journée aujourd'hui, on va direction Toulouse pour aller faire la chasse aux fournitures scolaires. C'est le moment préféré de l'année des enfants, ils kiffent. C'est vrai que je ne sais pas si vous aimiez quand vous étiez gamin, mais moi je me rappelle que c'était toujours... On attendait toujours ça avec impatience et c'est vrai que voilà, nous les petits, ils adorent ça, ils adorent choisir. Et pour cette chasse aux fournitures scolaires, on ne va pas n'importe où. Ophélie vous en parle tout de suite. C'est moi qui vous reprends et oui, on va partir pour la chasse aux fournitures scolaires et pour cela, on va pas aller n'importe où. On va aller dans une enseigne que nous, on apprécie énormément parce que non seulement elle propose des articles, des fournitures scolaires en vrac ou avec très peu d'emballage, mais aussi des prix compétitifs. Et je vais vous parler de Bureau Vallée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bureau Vallée, c'est une enseigne qui est accessible à la fois sur Internet et dans différentes boutiques un peu partout en France. Ils proposent de tout, que ce soit les fournitures scolaires, le matériel de bureau, tout ce qui est mobilier de bureau, tout ce qui est cartonnage, voilà. Que vous soyez à l'école ou vous ayez votre petite entreprise ou pour la vie courante, vous êtes sûr de trouver votre bonheur et à des prix hyper intéressants, parfois même plus intéressants qu'en grande surface. Bureau Vallée fournit également pas mal de services, une notamment qui est très intéressante ces temps-ci, c'est de préparer votre liste de fournitures scolaires à votre place. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous leur fournissez votre liste et ils se chargent de tout. Vous n'aurez plus qu'à récupérer les fournitures scolaires. Ça, franchement, c'est un vrai gain de temps. L'enseigne propose aussi de racheter les vieux cartables de vos enfants. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. La couverture des livres aussi. Alors ça, c'est la sacrée corvée d'après-rentrée. Il y a également un service de rachat de votre ancienne calculatrice. Donc ça, c'est très intéressant aussi, notamment quand les enfants passent d'une classe à l'autre. Hein, s'il y a pas de frères et sœurs derrière, ça peut être très intéressant de l'amener chez Bureau Vallée pour la faire racheter. Et surtout, moi, ce que j'apprécie énormément chez Bureau Vallée, c'est que c'est une enseigne qui est très, très engagée. À savoir que chaque produit qui est commercialisé dans les magasins ou sur Internet est noté. C'est-à-dire que si Bureau Vallée juge que le produit n'est pas assez respectueux de l'environnement, voilà, ils ont différents critères, voilà, ils sont notés, les produits sont notés de A à E. Pour vous donner une idée, si ça dépasse le C, Bureau Vallée ne les accepte pas en fait. Hein. Et ils prennent en ligne de compte plein de critères, que ce soit l'impact environnemental, le travail des salariés, le lieu de fabrication des produits, etc. C'est assez complet. Et franchement, voilà, moi c'est très important pour moi. Autre chose aussi, c'est que vous pouvez trouver tous les produits, non seulement emballés si c'est votre choix, mais surtout en vrac. Voilà, on n'a pas forcément l'utilité d'acheter les stylos par 10. Voilà, il y a des choses qui peuvent être utiles, oui, surtout comme nous, quand dans une famille nombreuse, voilà, on peut être amené à les acheter ainsi. Nous, on a fait le choix de réduire le plus possible nos déchets plastiques. Et du coup, voilà, pour nous, c'est une enseigne qu'on adore. Voilà. C'est un peu le pays des merveilles. Voilà. On est toujours ébahis quand on voit toutes ces étals de stylos, de cahiers en vrac, etc. C'est, voilà, c'est génial. C'est comme quand on va dans une boutique bio, en fait. Voilà. C'est vraiment top. Et tout ça à des prix super, super intéressants. Comme je vous disais, voilà, les prix de chez Bureau Vallée sont très, très compétitifs. Vous avez régulièrement aussi des offres, notamment pour la rentrée scolaire, avec certains produits qui sont 100% remboursés. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc voilà, Bureau Vallée, c'est franchement une enseigne, c'est presque une incontournable pour la rentrée scolaire de nos loulous, mais même aussi tout au cours de l'année. Moi, régulièrement, s'il vient me manquer des petites choses, voilà, j'hésite pas à aller dans leur enseigne pour prendre, voilà, parce que c'est des petites bêtises, hein, mais des petites mines, des choses, enfin, il y a toujours des petites précises qui manquent. Et chez Bureau Vallée, on est sûr de trouver notre bonheur. Et justement, en parlant de bonheur, j'ai une petite surprise pour vous, parce que je vais vous proposer un petit concours. Et oui, on va se retrouver sur Instagram avec deux cartes cadeaux de 100€ chacune à gagner pour préparer ou pour finir les fournitures scolaires deux enfants. Donc n'hésitez pas, je vous mets toutes les modalités directement en description de la vidéo. Donc allez vite tenter votre chance. Allez go, il est 10h, on est prêt, c'est parti. On va prendre les listes, on prend tout ce qu'il faut. Alors du coup, le programme de la journée, comme je vous disais,
On va aller faire les fournitures scolaires en priorité. Après, on va aller manger. Alors, pour la petite info, il n'y a que Lucas et les trois petits qui viennent. Les deux grands ne veulent pas venir. Ils veulent rester tranquilles. Ils n'ont rien à acheter. Voilà. C'est les grands. C'est les grands. Du coup, allez, on va faire les fournitures scolaires. Après, on va aller manger. Et après, on va aller faire un petit tour chez Ikea. Parce qu'il nous manque le meuble de Célestin qu'on avait oublié l'autre jour. Et il y a le magasin aussi à côté d'IKEA, CGM ou un truc comme ça. Voir un petit peu s'il y a de la déco pour les filles également. Voilà, pour la fin de semaine, enfin peut-être pas pour la fin de semaine, mais pour le début de semaine prochaine, il faut que la chambre de CS1 soit faite. Hier, j'ai quand même bien attaqué. Je suis assez content parce qu'en fin de compte, j'avais déjà bouché une partie des trous. Du coup, là, j'avais reponcé tout hier et j'ai refait une deuxième couche. Parce que comme les murs, hein, on l'avait déjà dit, hein, les murs sont en plâtre de partout, il y a du plâtre de partout, et des micros, voilà, dès que vous passez un petit coup sur le mur, ça fait des trous. Du coup, j'avais bouché les trous, et là j'ai refait une deuxième couche, du coup il va falloir que je re-reponce. Ça par contre c'est le plus chiant le ponçage, parce qu'en fin de compte, ça dégueulasse tout, le sol est après dégueulasse, mais là j'ai tout refait. En haut, c'est tout ce qu'il y avait, les petites moulures, du coup, ils avaient tout pointé, il y avait des micro-trous, du coup, j'ai tout rebouché également hier. Et j'ai passé une première couche de blanc sur les fenêtres et sur les entourages de fenêtres. Et au niveau de la porte, juste derrière aussi, j'ai fait l'entourage de porte. La porte, je pense qu'on va la faire en bleu en même temps que les murs. Et puis oui, là, il me manquait, il faut que j'achète, cet après-midi, il faut que j'achète ça. Il y a encore deux bouts de tuyauterie là qu'il faut que je coupe. Mais voilà, là concrètement, demain je ponce partout, je nettoie du coup les murs, je regarde s'il y a encore un ou deux petits raccords à faire en plate, je pense qu'il y aura encore. Et sur les murs où il n'y aura pas de raccord, je peux commencer à faire une première sous-couche de blanc, faire une deuxième couche au niveau des fenêtres, et voir un petit peu si on met de la fibre de verre sur les murs ou pas. Je pense qu'il y aura peut-être un mur à faire en fibre de verre, on va voir un petit peu. Et voilà, après j'ai passé mon électricité, tout est en attente dans le couloir. Alors ça va aller assez vite, j'ai juste à percer un trou et le mur là il n'est pas très épais. Du coup j'ai juste à passer lumière, électricité, il y a trois prises et une lumière, en 2 heures c'est fait. Et puis après il y aura sa chambre, du coup j'espère pour fin de semaine. Si je donne un bon coup de collier, il me dira pour fin de semaine, je pense qu'il peut avoir sa chambre. Bon, après je ne le dis pas trop fort, parce que si j'ai du retard, ils vont me pousser au cul, puis voilà. Du coup je suis assez content parce que ça avance assez vite. Les filles d'ailleurs ils me disent oh la chambre de Célestin, ça va beaucoup plus vite. Mais que voilà, on est parti à l'étage, on est parti sans rien, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien du tout, on était obligé de faire venir. L'électricité, je vous l'avais fait voir dans le précédent vlog, je crois que je vous l'avais fait voir dans le précédent vlog, qu'on avait mis que j'avais installé le tableau électrique ici pour alimenter tout l'étage. Après, comme ça, j'aurai juste l'électricité des garçons à faire et après, on attaquera notre chambre. Voilà. Du coup, oui, la peinture bleue, je ne sais pas si on vous l'avait fait voir. Hop, c'est du bleu comme ça qu'on a acheté. Et franchement, je pense que ça va bien, bien donner. Et c'est ce meuble-là, en fin de compte, on avait acheté Ikea. C'est l'autre jour chez Ikea, on avait oublié le meuble. Alors du coup, ouais, on avait voulu mélanger de orange et de bleu pour faire vraiment un petit garçon. Je pense que ça va être pas mal du tout. D'ailleurs, il fallait que je vérifie aussi. Ça, l'autre jour, on l'avait acheté chez Ikea. Et j'ai acheté le même à Lucas qui en voulait un, mais sans la lumière là. Et en fin de compte, la coupole là est cassée. Du coup, on va aller voir si on peut l'échanger. Et puis voilà. Allez, go, tous en route, parce que mine de rien, on papote, tous en voiture, et on y va. Tout le monde est prêt. Bon, j'ai encore les cheveux mouillés, mais vive le séchage naturel. Lucas est juste en train de récupérer une bricole dans la 307. Oui, derrière, je crois. Ouais, sur les sièges arrière. Je cherche des chaussures de... Oh, la tête que j'ai ce matin, mon Dieu. La sale tête. Des chaussures de remplacement parce que j'ai fait ma maline. Mais je vais pas les garder longtemps. Hein, voilà. J'ai mon dos qui me fait... mes jambes qui me font très très mal. Et là, c'est en train de prendre une tournure bizarre. C'est que contrairement au précédent vlog où je vous disais que j'avais des réveils très matinales, voilà. Et ben maintenant, j'ai des nuits.
La tendance est assez inversée. Je n'arrive plus à dormir de la nuit, en fait, et je ne dors que le matin. J'arrive pas à me l'expliquer, mais j'ai trop de contractures la nuit, en fait. Mes nerfs ne veulent pas lâcher. Et j'arrive pas à me détendre, et impossible de tenir dans le lit, ni sur le coude d'un côté, ni de l'autre, ni sur le dos, ni sur le ventre. Alors, sur le ventre, en plus, c'est particulier, parce qu'avec le ballon gastrique, je peux pas m'installer comme je veux. Mais encore, ça va, je me débrouille. Mais le problème, c'est quoi? Ça prend une tournure bizarre. Alors, je pense que je vais retourner chez le médecin. Alors ça, c'est pareil, c'est une autre galère. Il faut trouver le médecin, parce que pour la petite histoire, nous ici, en fin de compte, on n'a pas de médecin attitré, comme on est arrivé qu'au mois de janvier, voilà. Donc à chaque fois, on n'a que des remplaçants. Et le problème, c'est que les remplaçants, eh ben, ils sont pas là en continu, en fait. Donc à chaque fois qu'on... Le dossier, il retrouve à chaque fois aussi. Oui, il retrouve le dossier, mais bon, ça va être un autre discours encore. C'est chiant, ouais, en fait, quand t'as pas de suivi de médecin. Voilà, vive le désert médical, malheureusement. Bon, déjà, on arrive à avoir des rendez-vous. C'est déjà pas mal, mais... Enfin, des rendez-vous, pas en urgence. Mais bon, voilà. Du coup, oui, ça commence un petit peu à nous inquiéter, parce que, en plus, maintenant, ça, voilà, c'est une douleur qui a commencé dans la fesse droite, qui a descendu jusqu'au genou, dans la jambe, enfin, jusqu'au genou droit. Et maintenant, ça irradie dans l'autre jambe, dans la jambe gauche, et avec une barre dans le dos. Voilà, donc je suis obligée de me bourrer de médicaments, truc que je déteste faire, j'aime pas ça, mais bon, voilà. Et puis il y a la vie aussi, hein, après, hein, il y a des escaliers à monter, voilà, ça c'est pareil, le kiné m'avait conseillé de continuer les exercices physiques et tout, alors j'essaye, mais tant bien que mal, parce que du coup j'ai mal, donc je force pas trop, et le peu que je force, j'ai l'impression que je le repaye après, quoi. Alors c'est pas simple, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut se reposer, il y en a qui disent qu'il faut continuer, il faut pas, comme quand on a une sciatique, en fait. Voilà, tant que ça fait pas mal pendant l'effort. Et moi, justement, c'est ça qui est très étrange, c'est que pendant l'effort, je n'ai pas mal, hein. Je peux marcher, je peux faire du vélo et tout, j'ai pas mal pendant l'effort, donc limite ça me fait du bien. Mais par contre, après, voilà. Bon, du coup, j'arrête de causer, on y va, tout le monde est dans la voiture. Coucou. C'est son truc du moment, ça. Hein? Tu veux le foufou? Hein? C'est quoi cette bouteille? Ah, c'est la bouteille de Luca. Luca, parce que j'allais dire, pourquoi vous avez pas pris une gourde? Moi, j'ai pris les gourdes. Mais t'as pris les gourdes? Ça fait 10 ans qu'il a sa bouteille. Ah, Luca, oui, il est à fond bouteille. Oui. Regarde ton mec à Playmobil. Oui. Bon, allez, on arrête de causer, parce qu'on va être en retard. Pas en retard. On n'a pas de rendez-vous, mais plutôt, ça sera fait. Ouais, j'ai déjà mieux ça sera, allez zou. Bon, allez, ça y est, on arrive à destination. C'est vrai que je vous en ai pas parlé avant. On a, contrairement aux anciennes écoles où étaient les enfants, quand on était dans le Gers, les petits, que je dise pas de bêtises, vous aviez pas de liste, hein, les loulous, hein, je dis pas de bêtises, non, dans les anciennes écoles, c'était tout fourni. Oui, dans le Gers, pardon. Dans le Gers. Oui. Voilà. Oui, moi, oui. Et du coup, c'est vrai qu'on s'y est pas fié. Voilà, j'ai même une copine qui m'a demandé. J'ai dit non, c'est bon, il n'y a pas de fourniture. Bah, si. Allez, on arrive en cours de route ici. Ici, voilà, ici, on arrive en cours de route au mois de. Bah, du coup, les petits ont commencé après les vacances scolaires de mars. Donc, voilà, ils n'ont pas eu de liste de fourniture. Là, du coup, voilà, elle a eu quand même une bonne liste, chacune, chaque fille. Donc, oui. Voilà. Et Luca aussi. Voilà, Luca, le lycéen. Elle est où ta liste, Luca? Luca, le lycéen, sur Hoche, c'est pareil, il avait aucune liste, c'était vous faites en fonction de ce que vous avez besoin et tout. Ben voilà. Ça change d'un département à l'autre, d'une école à l'autre, bon, rien de grave. Hein. Mais du coup, d'où le fait que voilà, on refait une chasse aux fournitures scolaires, alors qu'on n'en a pas fait l'année dernière, parce que voilà, il n'y avait pas utilité. Là, il y a utilité cette fois. Donc voilà, allez, ça y est, on y va. Bon, allez, nous voilà arrivés. Là, on est en train de voir un petit peu comment on va s'organiser. On fait quoi? On fait deux équipes? On fait quoi? Ouais, ils sont un petit peu excités. C'est Noël quand on fait les fournitures scolaires. C'est Noël, voilà. Donc, ils adorent. Donc, je pense qu'on va laisser Luca faire de son côté tout seul. Ouais. Luca, quand tu prends un panier, tu gères? Tu gères ta liste à toi? Oui, regarde s'il y a un panier. Puis, ou tu mets dans le panier de papa au fur et à mesure. Tu gères ta liste. Ça, tu gères. Et puis après, tu m'appelles au secours si jamais t'as besoin. Mmh. Hein, ça marche? Ouais, c'est pas. Voilà. Puis nous, on va faire avec les petites. Là, elles sont dans les agendas. Alors, elles sont frustrées parce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir un agenda cette année. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Non, mais la maîtresse, elle a dit cahier de texte. Ah, c'est ballot. Hein. Tiens, regarde. Il est tout doux.
Il est peut-être un petit peu trop doux. Oui, il y a des, oui, c'est des jolis cahiers textes. Regardez. C'est pas des cahiers textes vieux comme on avait. Regarde, là, t'as des poils là. Attends, viens là, viens là. Tout en bas, regarde, tout en bas, c'est que des cahiers textes. Ils sont trop stylés. À côté, t'as... Oh, c'est trop mignon. Là, Maïlou, t'as des chats, là, t'as des ours. T'as des koalas, t'as des fées. Ah bah, regarde, Manuta, elle a déjà craqué dessus. Oui, du coup, tu prends celui-là, Manuta? Ah oui, c'est la marque Chippie. Ah bah, c'est la marque Chippie. C'est ce que... Oh, c'est... Moi aussi, j'en avais quand j'étais ado. C'était il y a longtemps. Maïlou, toi, je kiffe le tien. Non, en haut, c'est des agendas. Non, en, ouais, en haut, ça marche pas, mon cœur. Les maîtresses, ils ont mis là. Hein? 0 pour une trousse, ça va? Bah, ça a des... faut qu'elle soit exceptionnelle. Ah bah, oui, tout de suite, il se pack. Bah, vas-y, s'il te plaît. Non, toi, on va regarder les cahiers, toi. On va te prendre des cahiers. Si chouchou, lui, il a pas de 10. Il est abîmé. Celui-là? T'as des autocollants? Waouh. Ouais, il est beau. Et toi, Maïlou, tu prends lequel? Oh, c'est trop mignon. Bon, c'est papa qui raye sur la liste. Est-ce que vous aviez, pendant qu'on est dans ce rayon-là, est-ce que vous aviez besoin de trousse? Oh, mais Maïlou, elle en veut une. Je cède ou je ne cède pas? Maïlou, elle me dit qu'il y en manque une. Oui, c'est vrai qu'à côté de ça, le dossier trousse, on s'en était déjà occupé l'autre jour. Oui, mais ils sont tentés d'avoir 40 trousses. Ah, papa. C'est quoi? Alors, c'est qui? Dis-moi. Ma queue. Ouais. Ruben. Ouais. C'est pour femme. Elle est grosse aussi pour toi. Ça fait une grosse trousse, hein. Très, très grosse trousse, hein. Ça fait une grosse trousse, hein. On va faire le tour, on va regarder si on trouve un cahier. Si on trouve pas, tu prends un celle-là, d'accord? Mais... Oh. Oui, tu veux trouver un cahier. Bah, pose-la, puis on verra après. D'accord? Mais non, c'est un agenda. Non, non, elle a pas le droit. Mais oui, mais non, mais t'as pas le droit. Bon, allez, zou. On va attaquer le vif du sujet. Non, t'as pas le droit aux agendas. Et c'est pas un agenda, c'est un cahier. C'est quoi? Agenda. Ouvre. Ah oui, tu me diras, il y en avait encore plein par là. Et Maïlou, il y en a encore plein là. Merci. Je crois que c'est parce qu'ils ont fait un côté fille, un côté garçon peut-être. Je sais pas trop. Ils ont du choix. Hein, hein? Il y a du choix. C'est quoi? C'est des feutres comme ça, un peu des feutres. J'en ai un de cette couleur. J'en ai un de cette couleur. Traverse pas, c'est des stylos feutres. Oui, j'en ai un de cette couleur, mais j'ai pas les autres. Bah ça, on va voir à la fin, Maïlou, parce que là, le but, c'était de faire les fournitures scolaires avant. D'accord? Est-ce que vous voulez un calendrier, les filles, pour mettre dans votre chambre? Ça fait partie de la déco en même temps, puis c'est utile. Manuta, tu regardes par un calendrier? Licorne. Oui, accroché au-dessus de ton bureau. Soit tu l'accroches ou soit tu le mets en... Soit tu l'accroches sur ton mur. C'est un truc licorne. Choubi. Ouais, il est très beau. Oui. C'est des feutres. C'est comme des feutres à l'école, je crois, il me semble. Non. Oui, les Posca, oui, c'est ça, c'est des feutres à l'école, hein, Lucas. Il est trop mignon. C'est quoi, toi? Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Donc après, oui, je disais, soit vous l'accrochez sur votre mur, ou soit vous le mettez en sous-main sur votre bureau. C'est vous qui verrez. Ah, papa, il est en train de voir pour nous, c'est ça? En plus, on peut écrire des trucs, là. Ah oui. Tu peux écrire. Tu sais ce que tu peux écrire là? Non. Les anniversaires de la famille ou les anniversaires de tes copines? Moi, j'en prends pour mon bureau aussi. Mais presque tout le monde a pris. Toi, t'en as aussi pour ton bureau? Non, moi j'ai des agendas et tout. Donc il y en a pas dans ta déco. Moi, j'ai pas vraiment sur le côté. Voilà. On commence là par exemple, là, je sais pas. Tout ce qui est post-it et tout. Non, les filles, logiquement, elles ont pas besoin. Post-it, scotch. Mais Luca, elle a un rouleau de oui. Coffre. Oui. Évidemment, elle peut faire le plus chiant.
Ben vas-y. Le carré. C'est ce que je croyais que carreau, je croyais que t'étais pas décidé à. Hein. Vas-y, allez. Les cahiers. À mon avis, ils vont être trop énervés après. Et du coup, ça va être... Tu trouves toi, Lucas? Ouais. T'as l'air très motivé. Motivation au summum là. Est-ce que t'as des cahiers, Lucas? Je préfère sur ta liste. Les textes, c'était sans... Ah non, sans spirale, bah nickel. Lucas, est-ce que t'as des cahiers dans ta liste? Bah fais voir ta liste. Les filles. Et sinon, on les fera après, venez voir. Alors. Tu dis quoi, Choubi? Toi, Manouta, il faut un grand classeur levier à deux anneaux et 12 intercalaires. Pouf. Les deux anneaux, je connais. Bah là, on fait les cahiers, on fera les classeurs après. Oui, il n'y a pas de cahier dans la liste? Non, porte-vue. Il est où, c'est le fin? Il est là, derrière. Et moi? Oui, c'est possible qu'il n'y ait pas de cahier. Hein. Tu veux où? Tu veux ça? Un taille crayon? Un petit taille crayon? Tu voudrais? Maïlou, à mon avis, je l'ai donné. Le même. Je... Tu veux un petit... Fais voir où tu l'as pris. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Comme taille crayon. Alors. Oh, tout ce qu'il y a comme taille crayon. Et ça, c'est pas un taille crayon. Si, c'est que des tailles crayons, ça. Oh là 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 là. Wow. Celui-là, il est beau. T'as quoi qui te plairait? Mais bon, il faut pas le perdre, hein. C'est les règles qui se tordent dans tous les sens. Oui, mais regarde, dans ta liste, il faut une règle. Ben, ça sert à rien, les règles qui se tordent, ça sert à rien. Oui, ça, c'est pour le vider. Du coup, tu veux lequel, ta crayon? Tu pourras le mettre dans ta trousse à la maison, hein. Moi? Oui, pour toi. Pour moi? Maman, j'ai tous mes feutres qui marchent plus. Attends, alors, mais... Est-ce que on fait d'abord la liste. Oui, oui, on fait d'abord la liste. On va en prendre après des feutres. Bon. Manoutière. Alors, est-ce que tu as vu aussi. Ça, c'est quoi ça? Ça fait un peu. C'est bizarre. Non, si tu trouves une 20, c'est mieux. Appel crayon. Là, ils sont là, les 20. Non, là, c'est 15. En fait, t'as ceux-là aussi qui sont rigolos, là. Ceux-là, là. Regarde, encore des petits verres de terre. Je sais pas, c'est bizarre. Attends, Manoutière, Maïlou, je le fais après, d'accord? Celui-là, il est gros, hein, pour toi. Hein. Ouais, il est un peu gros. C'est là? Ceux-là, ils sont rigolos, mais ils pareil, ils sont très gros. Ça prend beaucoup de place dans la trousse. Hein. Mais Lou, il t'en faut une aussi. Non, ouais, celui-là, il s'ouvre trop facilement, celui-là. Toi, t'es petit. Oui, mais c'est trop, justement, il s'ouvre trop facilement pour toi. Bon, pendant que Célestin fait son choix de taille crayon, il n'est pas décidé. Ah, bah si. Bon, bah voilà. Ah oui, là, il faut la fameuse trousse de secours, papa. Donc là, t'as pris tes crayons de papier, c'est ça? Il faut un taille crayon avec... trop bon. Wow. Il faut un taille crayon avec un réservoir. Pour qui? Pour Maïlou, pour Manouter. Et pour Maïlou, en même temps? Maïlou. Non, pour l'instant, je ne sais pas où même, vas-y. On fera les gommes après, Maïlou. Maïlou, tu choisis un crayon. Un crayon à papier avec une gomme et un taille crayon avec réservoir. Tiens, Maïlou, regarde là. Là. Choisis des crayons à papier avec une gomme. Sauf qu'elle n'a pas le droit au critérium, je pense. Non. Alors là, le problème, c'est que... Elle va prendre le même que sa sœur. Vas-y, prenons trois. T'as ça ou alors celui-là? Non, ça, moi, c'est pour la trousse de secours. Deux. Et trois. Et avec gomme. Mais t'as choisi comment, là, Maïlou? J'ai pas compris comment elle a choisi, là. Comme ça. Choisi comme ça. Comme ça? Et celui-là, il a pas de gomme. Papa, il a dit combien avec gomme? Combien avec gomme? Une gomme? Avec ça? Non, mais crayon, je comprends pas. Crayon à papier avec gomme? Crayon à papier avec gomme? Oui. Oui, alors du coup, t'en as un. Il faut une gomme. Celui-là, on peut pas le prendre, ma chérie. Soit tu reprends un deuxième comme ça, ou soit tu prends un deuxième comme ça. Par contre, ça risque de stresser. Voilà. Je sais pas, tu ne demandes à papa? Ça fait un peu gadget, ça, Maïlou, quand même. Hein. Pour une gomme. C'est quoi? Elle veut ça. Oui, est-ce qu'on peut remettre les gommes dedans? Oui, il est rechargeable. Alors, tu pensais avec des gommes en plus? Ça? Oui, et regarde si tu trouves des gommes qui vont dedans. Et elles sont là. Et tu mets... Tu adaptes ces petites gommes-là. Non, c'est trop petit. Non, c'est trop petit. Non, c'est trop petit. Parce que, là, attends. Parce que le tout, c'est pas d'acheter un bout de plastique, c'est d'acheter un bout de plastique, mais là au moins ça protège la gomme. Oui, attends, là. Mais là. C'est celle-là? Ça, c'est parfait.
C'est ça. Pour moi, la petite branche là. Pour moi, c'est un globe. Attends, pas sûr. Bon, du coup, on n'arrive pas à se décider sur les gommes. On verra après avec un vendeur parce qu'on n'est pas sûr que. On n'arrive pas à trouver la gomme pour recharger et parce que c'est très pratique. Elles sont protégées, mais on n'arrive pas à trouver la recharge et on n'a pas envie de prendre un gadget qui ne durera pas. Attends, tu montres à papa d'abord. Tu as pris des crayons de couleur, tu as pris des crayons. Ils sont où? Ah, ça, c'est des feutres. Elles ont des feutres et des crayons, les filles, sur leur liste. Attends, regarde. Non, c'est plutôt trop grand, ça. C'est des trucs trop artistiques, ça, Maëlou. C'est pour l'école, tu prends. C'est pour l'école, hein. C'est pas pour toi. Nous, on va en prendre une boîte en plus, mais là, c'est pour l'école. Alors, l'école prend des petites. Tu veux de l'aide, Célestin? Là, oui, c'est... Après, ton cartable. T'as pris ça pour toi? Oui, oui, ceux-là, c'est pour eux, les petits. Oui. Ça va, moi, c'est 12. Pour qui, vous cherchez quoi là? Ça, les feutres, il leur faut des feutres pour l'école. Tu veux le ranger, c'est ça? Non, je vais le prendre. Non, je vais aller plus. Ah. Après, tu les as en 24 là. Non, mais pour l'école 12, ça suffit. On tire ça. Hein? Le crayon que t'achètes? Oui, tu peux utiliser le crayon que t'achètes. Maïlou, tu fais le crayon de couleur. Non, t'as déjà pris un taille crayon. Où je sais pas où tu l'as mis, mais t'en as déjà pris un tout à l'heure. Non, il l'a pas pris. Tu l'as pas pris. Tu veux changer? Alors, si tu changes, vas-y, change. On n'est pas quitte de faire ça plusieurs fois. Alors, mets au bon endroit. Voilà, parfait. Et du coup, t'as pris quoi? La grenouille. La grenouille, bah oui, tu vois, je le savais. Je le savais que tu prendrais la grenouille. Là, tu cherches pour qui, Ted? Pour la maison, non? Pour la maison, on est crayon couleur, on en a encore 50 000. Donc pour la maison, c'est des feutrins. Je vais prendre mes œufs, comme ça. T'es sûr? Regarde, si tu prends ça pour la maison, j'ai les mêmes à la maison, mais ils marchent tout du tout. Là, elle a pris ça. Ils sont lavables. Ils sont lavables, ceux-là, en plus. C'est feutre et crayon de couleur, Maïlou. T'as pris quoi? T'as pris feutre? Non. Mais non, ça, c'est Célestin. T'as pris feutre? Non. Bah, on change, hein, les feutres. Mais celui-là, même t'es à la. Change. Je crois qu'il y a de 10 critériums ou de 10 mines de critériums? Je vais aider un peu Lucas. 10 portées mines, je t'avoue. Ah. On a acheté 10. Bah ouais, je crois que tu vas avoir. Ça fait beaucoup si j'en achète 10. 10, ça fait beaucoup, ouais, c'est clair. T'en as acheté un avec des mines? Ouais, pourquoi 10? Ah, c'est parce que c'est au cas où tu le perdrais? Peut-être. Pourquoi ils veulent du jetable? Fais voir ta liste. C'est là. C'est où? Là, un paquet de 10 porte-mines. Un paquet de 10 porte-mines jetables, ils ont craqué ou quoi? Bah écoute, soit on prend... Là, il y en a combien là? 10. Là aussi. Mais alors que là, t'en as des plus sympas quoi. Pourquoi ils veulent un jetable? Pourquoi ils veulent des... Pour Luca, ils imposent des porte-mines jetables. Ils sont fous? C'est-à-dire quoi? Bah ça, des trucs jetables, non rechargeables. Non, bah tu prends rechargeable. Tu prends rechargeable, hein, Luca. Donc là, ouais, t'en as pas mal des sympas. Non, les mines, on les a, mais... D'ailleurs, j'ai pris les surprises pour moi, en fait. Ouais, fais-toi le plein de mines, hein, parce que après on prend toujours. Oui, il faut que tu prennes bien, si t'achètes un 0,5, tu prends bien les mines 0,5, Lucas. J'ai pris du coup un bâton, papa. 10 secondes. C'est juste le style. Ah, c'est 0,3. Hein. 0,3, c'est petit. Hein. Ouais, mais après, pour l'atelier, c'est peut-être mieux. Bah, ils ont écrit 0,5 ou 0,7. Hein. Celui-là, il est stylé. Niveau confort. Je l'ai pris pour aller. 0,5, hein. Ça, c'est tout fin. C'est vraiment tout fin, ça. Bah, c'est du 0,5. C'est la prise en main. C'est dans ta main. Faut que tu regardes un petit peu ce que ça donne dans ta main. Niveau confort. Si t'es à l'aise avec ou pas. T'es pas convaincu. Et après, t'as celui-là aussi. Celui-là, moi, je préférais, il a un... Il pèse plus lourd. Oh, mais celui-là, c'est celui que t'avais. Hein? Tu l'avais déjà eu, celui-là? Je sais pas.
Non, ça, une colle. Tu prends une colle. Papa, il a dit oui. Ok. Bon, ça part un petit peu dans tous les sens, là. Moi, je vais en profiter pour m'en prendre un porte-mine. Enfin, un critérium. Ouais, 0,7, tu me diras... non, 0,5. Moi, je vais m'en prendre un pour la maison. Parce que sinon, les enfants sont toujours en train de me piquer mes affaires. Donc, voilà. T'as trouvé ? Ouais. Hop. Allez. Le rose ! Allez, tout un speech pour aller choisir un ciseau. Ciseau à bourron, ils savent, pourtant il y a largement le choix ici. Hein. Franchement, au niveau choix des ciseaux, il y a de quoi faire. Pousse un peu avec nous, pousse-toi avec nous, pousse-toi s'il te plaît. Non, pousse-toi, pousse-toi. Voilà, et là, ceux en bas par contre, ça serait mieux parce qu'en plus il n'y a pas d'emballage. Alors, prenez en bas plutôt. Oui, toi t'as pris un ciseau. Bon, t'as pris en bas. Alors mets-le dans le caddie, mon cœur. Moi, c'est écrit à bleu. En plus, ouais, ce qui est bien, c'est que bah, ce lent, par contre, bah, vous évitez l'emballage. Franchement, ça, c'est top. On va prendre en même temps peut-être de la peinture pour la maison. Franchement, ici, il y a tout ce qu'il faut. Et on va prendre aussi des pinceaux, comme on va faire des ateliers créatifs en même temps. Ça va les occuper en même temps pour l'été. On prend des gros tubes. On prend des gros tubes. Allez, mettez dans le caddie. Bon. Non, non, c'est simple, on a déjà pris un temps. Mais on est d'accord que je prends des compas où on peut mettre le crayon, hein, pas avec des trucs rechargeables. Oui, avec le truc à roulette. Tu vois, le problème, c'est que là, ça, c'est une petite mine. Et ouais, t'es obligé de la changer au fur et à chaque chiant. Fois. Ouais, c'est chiant, ça pète. C'est... Ouais, non, c'est surtout que tu trouves pas des mines partout, en fait. Non, non, avec un crayon. Tu en prends un traditionnel ou tu adaptes un crayon. Alors ça, par contre, ça, c'est le truc que je déteste, mais qu'ils imposent à l'école. C'est les bâtons de colle comme ça. Du coup, on a appris. Pareil, on a appris d'avance. Et après, nous, on fera le plein avec Ophélie. On va voir un petit peu pour le bureau. Il y a tout ce qui est stabilo, tout ça. Et franchement, ici, regardez un peu. Vous avez vraiment le panel de stabilo. Mais c'est un truc de fou, quoi. Le temps passé pour choisir juste des... Oui, parce qu'après, ça, c'est des... Enfin, c'est pas des basiques, mais il n'y a pas le... Non, il faut le petit truc à roulette pour adapter le crayon. Après, ça fait pas... c'est pas très joli. Donc, on s'en fiche, hein. J'ai oublié toujours au niveau de son stylo. Son ciseau. Tu l'as déjà choisi ton ciseau, tu l'as déjà mis dans le caddie, mon cœur. Ah, tu regardes où est-ce que tu le poses? Il est là, regarde. Il est là. Tu le ranges? On prend des gros tubes. Allez. On prend quelle couleur? On va regarder avec maman. Non, je pense qu'on va prendre plutôt des demi-tubes. Mais c'est vrai qu'au niveau créatif, cela, c'est pas mal du tout. Et on va regarder aussi, parce que je crois que c'est les 5, il va avoir besoin d'un tablier. Il y en a juste ici. Ils sont pas mal du tout, justement. Mon papier avec la gomme. Non, non, petit point liste. Alors, il faut trouver. Mais non, j'ai pas trouvé de gomme. 2 minutes. Elle a pas pris de gomme. La gomme, on verra après. Du coup, il y a une gomme. Là, on vient de prendre les compas, enfin le compas pour Manutea. Tu veux monter dans le caddie? Oui. Alors, attends. Là, on va faire le plein. Nous, au niveau stylo. Alors, soit. On a le choix de prendre nous comme ça en boîte en carton. Parce que vous connaissez que voilà, vous savez que on essaie de limiter au maximum les emballages plastiques. Donc là il y a le choix en boîte carton. Donc c'est des très grosses contenances. Alors, ça fait même limite de trop parce que c'est les 50 hein, quand même. T'avais pas vu? Voilà. Et là, l'avantage ici, c'est que vous avez tout en vrac. Donc c'est franchement pas mal. Vous prenez exactement ce dont vous avez besoin. Et si jamais. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas... Non, ça, c'est des photos. C'est aussi pour les allocs. Mais voilà, vous avez largement, largement de quoi trouver votre bonheur. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Du coup, tu voulais monter dans le caddie? Tu veux pas y retourner? Alors, vérifie qu'il ne soit pas trop gros dans tes doigts, Maïlou. Ouais, il est trop gros. Ah non, il y a un embout, ça c'est bien. Et il y a un truc pour le protéger. Regarde, essaye-le dans ta main. Essaye-le dans ta main avant. Que t'as une bonne prise en main. Il va pas marcher parce qu'il y a un petit truc de cire pour le protéger. Fais semblant de décrire. Il est pas trop gros? Pas du tout. Alors, vas-y. Alors, prends-en un bleu. Un rose.
Non, non, on joue pas avec les ciseaux. Du bleu, ça. Non, mais ça, il va pas écrire en rose, ça. Mais non. C'est pas parce qu'il est rose qu'il écrit rose, Maïlou. Maman, mais pourquoi tu veux les prendre? Parce que je veux les taper ta maman. Tiens. Et ma fille, ok. Je vous jure. Une fourniture scolaire avec un tout petit. Hein? Merci, maman. Du bleu normal, du bleu. C'est ça, c'est du bleu turquoise. Attends, prends celui-là. Bleu. Ma notée, elle galère. Maman, cahier. Maman, coca. Oui, enfin. Tu veux pas des comme ça? T'as beaucoup de cahiers, toi? Ouais. Bah, j'ai pas eu, mais genre. Un cahier. Un cahier, deux cahiers, un cahier. Oui, t'as pas de classeur cette année. Bah là, il y a un classeur ou un cahier. Alors que les années d'avant, aussi, c'était des classeurs. T'as pas de verre? T'as pas de verre? Attends. Oui, je sais, mais la maîtresse, elle a dit non sur la liste. Bah, ça, tu peux te prendre pour faire tes devoirs. Et tu te laisses sur ton bureau. Pour la maison. Pour la maison. Parce qu'à l'école, la maîtresse, elle veut pas de stylo 4 couleurs. Je pense que ça fait trop de bruit. Tac, tac. Tu sais, quand ça change de couleur. Non, mais je crois que c'est Aveline qui nous le disait. Parce que comme ils se corrigent, ils font des autocorrections. Oui. Et du coup, bah, si tu te corriges, c'est en vert. Et tu peux pas tricher. Ah bah oui. Ah bah oui. Tu triches à l'école ou quoi? Non, moi je suis pas une tricheuse. Moi je trichais, moi. Papa, il vient de me faire une révélation. C'est là que ma Maïlou a pris. Bah prenez, de toute façon. C'est pas grave, si vous... Voilà. Est-ce que tu peux me prendre pour mon bureau? C'est parce que c'est un petit bout de cire pour le protéger, comme ça là il ne s'use pas. Il faudra le retirer à la maison. Papa, est-ce que oui, tu prends en double. Et est-ce que je peux. Et tu prends en quatre couleurs. Pour la maison, c'est celui-là que t'as rien. On n'a pas. Bah, prenez les mêmes si vous voulez. Maman, non, mais avant. Non, maintenant le correcteur. Donc la question c'est est-ce que on prend en rouleau comme ça? Moi je préfère. Moi je préfère comme ça, moi. Ou alors comme ça. Luca est en. T'as le choix. C'est toi qui vois. Je vois, parce que celui-là, des fois, ça donne, c'est lié. Oui, mais c'est pour ça, regarde. T'en as là. Ouais, je prends celui-là, vas-y. C'est ça. Tout petit. C'est du corps. Là, t'en as des plus grands, et après, là, t'en as des. T'as des gros, là, Luca. Mais après, trop gros, c'est... Mais vous la trouvez pas, toi? Non, je Oui, c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans la trousse. C'est vrai. Oh là. Prends le basique, hein. On prend l'habitude. Ouais, après, tu me diras si l'un ou l'autre. Ouais, je prends celui-là. Oui, t'as pris un crayon, quelle couleur ou pas? Non. Après, dis-toi, hein, quelle couleur? Maintenant, Stabilo pour Luca. Donc, soit comme ça, on hésitait avec ceux-là, mais oui, comme dit papa, à côté de ça, t'as pas besoin de toutes les couleurs. Oui, c'est bien. Même s'ils sont toutes les couleurs, ils me sont plus jolis. Puis ceux-là, ils me plaisent moins. Voilà, ouais, soit tu prends ceux-là, après, t'as d'autres couleurs, hein, je pense, en dessous Luca. Hein. Mais ceux-là, voilà, c'est en plastique recyclé. Après, aussi très pastel, quoi. Donc, après, t'en as là. T'as toutes les couleurs juste là. Les couleurs dont t'as besoin, quoi. C'est bon. Maman, t'as pris sur le ligneur? Non, pas encore. T'as pris un truc comme ça? Ah, c'est tout moi? Non. Tu l'as mis où, ça? Moi aussi, j'en ai besoin. On va voir après. Oh, c'est trop mignon. Du violet. Je pourrais prendre du violet? Mais non. Celui-là aussi, je sais pas. Bah, c'est bien pour faire les fiches de révision. Après, t'as comme ça aussi. J'ai déjà pris celui-là. Ah oui, c'est celui que t'as pris. Bleu, vert comme ça, si, après, faut voir. Je prends les couleurs de bonne. Là. C'est vert. Hein. De son côté, Manoutea, elle craque littéralement sur cela. Mais moi, évidemment, moi je craque plutôt sur cela. C'est une boîte en carton, ma chérie. Bah oui, c'est pas jouable.
Regarde, ils sont trop mignons, regarde. Ils sont tout mignons. Oui, ils sont très chics. Non, trop mal. Mais regarde, il est carrément très chic. Mais oui, ils sont stylés. Après, voilà, ça c'est... Je peux Milo, tu ramasses. Milo, ramasse. C'est nul, ça. Bon, tu prends quoi, du coup? Moi, j'ai envie de cela. Moi, je les prends. S'il te plaît. Je sais pas trop. Demande l'avis à papa, mais mon... Papa, elle a dit non. Non, on est là au détail. Mais... Voilà. Oui, vous n'avez pas besoin de toutes les couleurs. C'est pareil. C'est pareil que Luca. Vous prenez pas toutes les couleurs. Derrière. Allez. Manutea, là. Regarde. Allez, vas-y. C'est bon, c'est que... Oh, t'as Milo. Non, tu prends deux Stabilo. T'exagères pas. Comme dit papa, c'est que pour la maison. Pourquoi il t'en faut? Non, c'est pas marqué dans ta liste. Je n'ai pas marqué dans ta liste. Non, c'est pas marqué dans ta liste. T'es sûr, c'est pas écrit? C'est pas marqué dans ta liste. Voilà, attends. C'est celle-là, Manter. C'est pas marqué dans ta liste. Voilà, c'est bon, je les ai pris. Mais c'est combien? T'as rebuté. Ah oui, ils étaient là à l'unité, regardez. Oui. Mais oui, ils sont là. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là. Moi j'ai pris mes deux préférés. Si t'en veux pas, t'en prends pas, c'est pas grave. Bon, maintenant on va aller voir du côté des classeurs. Ça s'impatiente un petit peu. Hein? Il commence à en avoir marre. Manuka, il te faut un grand classeur à levier avec deux anneaux. Moi il me faut quoi? Est-ce que c'est un grand comme ça? Grand comme ça? Oui. Ils ont exactement le même à l'école. Bah vas-y. Après tu fous, c'est la couleur que tu regardes. Si t'as une couleur qui te plaît. T'as des couleurs stylées derrière. Ah oui. Enfin, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Bah, elle me dit que oui, elle me dit que c'est ce qu'ils ont à l'école. Ils ont exactement le même. Ah, mais Milo, c'est derrière. Milo, c'est écrit quoi? Milo, regarde. Avec 6 intercalaires. Manuta, c'est 12 intercalaires. Ok, voilà. C'est bon. Tu vois, prends toujours comme ça, Milo. Milo. Je suis pas sûre que. À l'école, ils ont quoi tes copains? Ils ont un grand? Ils ont exactement comme ça? Ouais, c'est ça, ils ont des grands comme ça. Ils sont pas un petit peu. Gros? Large? Non, ah non, la hauteur, ça les standards, la hauteur. Feuilles... Non, c'est un effet d'optique, c'est la bonne taille. T'inquiète pas, tes feuilles, tu prends cette couleur-là du mais coup? Mais moi, normalement, on glisse des trucs. Des intercalaires, faut qu'on prenne des intercalaires. Je sais pas oui, voilà. Je te laisse te décider sur ta couleur. Bah, il y en a alors, là, des intercalaires. Alors attends, les intercalaires. Toi, Milo, il faut un 6 intercalaires. 6 couleur pastel. Couleur pastel? Ok. 4, 5, 6. Parfait, 6. Ok. Et pour Manuta, il faut un 12. 12. Donc c'est à côté. Juste à côté. Ouais. Compte, il y en a bien 12. 12, parfait. Nickel. Papa, tu peux barrer? Tu veux un stylo? C'est pas grave, Célestin. Pourquoi tout le monde met sur mon ciseau? Oh là 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 là. Porte-vue. Non, c'est pas ça, des porte-vues. Porte-vue. Ils sont tous là-bas? Bon, alors porte-vue, c'est plus loin, Luca, il dit. Il faut les ramener deux. Allez, c'est par là les porte-vues. Alors, toutes les deux, il vous faut des porte-vues de 80 pages. Enfin, 80 vues. 80, il est où le 80? Là, c'est écrit, regardez, 60, 80. Donc, c'est toute l'étagère là. Oui, tout le long. Tout le long, c'est des 80. Ok. Oui, tu prends la couleur que tu veux. Je sais pas la couleur. Je sais pas, mais pas 3 heures, Maïlou. Tu l'as? Attends, ok. Y a, c'est 80. Oui, 80, c'est bon. Okay. Mets dans le caddie. Pour une fois, je prends de couleur orange. D'accord, ok, vas-y. Parce que je dis toujours rose, et je dis pas jamais. Mais orange. C'est un très bon choix, ma chérie. Très bon choix. Il y a les ardoises là? Ah oui, tiens, papa, on est du côté des ardoises. Il faut quoi comme ardoise? Une ardoise.
C'est pas ardoise quoi? Ardoise, ça veut quoi? Ah ben non, ardoise. ça c'est une ardoise qui store. C'est une incassable. Bon, en vrai, vous êtes grand, non, maintenant, Lucie. Oui, c'est dans le cartable, tu me diras que j'ai toujours peur, moi. Papa? C'est des ardoises qui se tordent. Qui sont incassables. Là, l'avantage, c'est que vous avez le feutre avec. Là aussi, vous avez le feutre avec. Mais les feutres, ils marchent plus au bout de 2 jours. Non, mais ça se rachète. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça se rachète après, de toute façon. Mais là, il est fourni avec. Feutre, machin, résistant au choc. C'est vrai que oui, celle-là, c'est pas mal, hein, les filles. Luce, ma copine, je suis sûre de choisir celle-là. Elle est fan de Harry Potter. Ah, c'est vrai? Je te jure, oui. Après, oui, incassable, c'est pas mal, hein. Oui, non, on en avait une avant. Papa, t'en penses quoi? Ah, vas-y. Maïlou, tu prends quoi? On avait la même avant, mais on verra. Ouais. Est-ce que elle sort? Oui, elle se tord. Non, c'est pas le droit, les règles, ça, c'est là, c'est l'ardoise, là, c'est incassable. C'est pas une règle, Maïlou, c'est ton ardoise. Non, mais c'est bon. Bon, Maïlou, du coup, tu prends quoi? Elle va le tester. Elle va casser l'ardoise, peut-être. Pataboum. Non, pataboum. Bon, du coup, c'est bon, les ardoises, c'est fait. Est-ce qu'il faut racheter des crayons, du coup? Non, on les a déjà pris en vrac. On les a déjà pris en vrac. Bon, alors, hop. J'ai pris deux. Non, papa, il a pris, Maïlou. Et j'ai pas vu. Il faut une équerre. Allez. J'en avais vu une avec les règles. Oui, alors, on retourne du côté des règles et des équerres. Avant de changer de rayon, Luca, il est au bout de sa vie. Bon, techno, combien de classeurs? Deux classeurs. Ouais, bah non, voilà. Après, c'est en seconde. Ah oui, non, tu t'es trompé de classe. Là, toi, t'es en première, c'est un classeur à quatre. Ouais, mais ça refait un classeur. Ah bah oui, ça refait un classeur. Oui, tu risques d'être... mal au dos. Tu risques d'être chargé cette année par rapport à l'ancien lycée. Nouveauté aussi de cette année, c'est le dictionnaire qui est imposé. Dictionnaire Larousse à la maison, on avait un vieux Robert, 8-11 ans. Pause. Donc là voilà, et chacune le leur. Donc voilà. Bon, après, la question que je me pose, c'est que c'est pour emmener à l'école. C'est pas emmener à l'école. À mon avis, ils vont le laisser à l'école, mais ils le gardent jusqu'en CM. Ah oui, ils le laissent dans le bureau. Oui, c'est vrai. Bon, l'avantage, c'est que voilà, il n'y a pas 40 magasins à faire, tout est ici. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Là, du coup, concrètement, on a pratiquement fini la liste des filles, mais Manouta, elle a un gros doute. T'es sûr qu'il te faut une pochette plastique? Une pochette élastique? C'est vrai qu'après, oui, il y a peut-être des trucs qui sont pas sur votre liste, parce que la maîtresse s'était dit que c'était évident par rapport à l'année dernière, mais comme vous, vous n'étiez pas dans l'école... Quand même, les chaussures, c'est bizarre qu'il n'y avait pas sur la liste. Bah ouais, mais c'est pas dedans. Après, ça c'est du carton. Alors, soit tu prends en carton, ce que maman préfère, mais il faut que t'en prennes beaucoup de soin parce que si c'est mouillé dans le cartable ou quoi que ce soit, ta pochette elle est fichue. Étonnamment, je devrais pas te dire ça, mais peut-être que t'es mieux de la prendre en plastique, mon cœur. Parce que le problème des pochettes en carton, c'est que ça sue très vite, en fait. Après, là, t'en as des stylés, là. Regarde. Et regarde, là. T'en as des stylés. Regarde, là, celle-là avec les fleurs. Là aussi, t'en as là. Regarde les modèles. Prends-en, Manouta. Tire-les pour voir les modèles dessus. Enfin, c'est du carton ou c'est du plastique? C'est du carton. Ouais, c'est du carton. Enfin, attends. Il n'y a pas écrit. Au-dessus, c'est quoi? Ça, c'est du plastique. Ah, Fortnite. Oh non. Oh non. Fortnite. Non. Après, il y a quoi? Ah, il y a celles-là, elles sont stylées, celles-là. C'est joli. Oh, regarde. Chacha. Je sais pas. Ça, c'est quoi? Harry Potter, ici. T'es fan de Harry Potter, toi, maintenant? Non, c'est bien ce qui me semblait aussi.
stylé. T'aimes bien? Ouais. On prend ça? Après, petite chose pratique, les étiquettes pour les livres, etc. C'est quoi? Là, il y a les gommettes. Là, regarde, là, il y en a des toutes simples. Hein. Je te laisse prendre. Pour les livres. Ça. Ça, pour mettre les livres, tu sais. Pourquoi tu veux pas en prendre de foot? Non, pas de foot, je veux pas prendre de foot. Après, t'as celle-là, là. Compare au niveau prix, combien t'en as dedans? D'où bah, c'est mon cas, tu dis là, mais t'as... Mais les étiquettes pour les livres, mon chéri. Là, mais là, là, c'est évident. Oh, les papas. Bon, ils s'en vendent, pas besoin de s'en vendre. Justement, c'est ce que je t'ai dit, comparer le nombre. 50, ça, ça suffit. Mais 24, c'est déjà bien. Oui, 24, ça suffit déjà. Moi, de loin, je voyais pas le nombre qu'il y avait là-bas. Et est-ce qu'il faut des protège-cahiers ou pas? Je ne parlais plus s'ils nous avaient demandé. Bah, elles n'ont pas de cahiers, les filles. Elles n'ont pas besoin de protège-cahiers. Elles n'ont pas de cahiers. Cahiers de lecture, tout ça. Ah, le couvre-livre, tu parles. Ah, c'est pas le bon terme. Le couvre-livre. L'année dernière, ils sont couverts, tes livres, Manoutea? À l'école? Ils sont pas, personne les couvre. Non. Donc non, il faut pas, papa. Il faut pas, il faut pas. Bon, allez, on a fini nos emplettes. Oui, et... T'as eu quoi, toi? T'as eu quoi? Une trousse de patrouille. Et un cahier. Est-ce que tu t'es pris un cahier? Non. Non? Papa, il va en trouver. Il n'y a pas de cahier de patrouille. Mais il n'y a pas de cahier de patrouille, mon cœur, c'est pour ça. Il n'y avait que la trousse de patrouille. Oui. Oui. Non, non, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Bon, allez, du coup, les emplettes. La chasse aux fournitures scolaires est finie. Voilà, une bonne chose de faite. Oui, hein? C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué avec Célestin, en fait. Voilà, c'est pas évident. Parce que entre surveiller plus ou moins les prix, filmer et tout. Voilà, parce que comme je disais à Ted, il y a des prix qui ont dû nous échapper quand même. Parce que le fait de filmer en même temps. Voilà, on a peut-être été moins vigilants. Mais bon, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Enfin, on a quand même mis presque une heure. Alors qu'en temps normal, on aurait été dans une grande surface ou quoi que ce soit. On aurait eu beaucoup plus de temps parce que là, les rayons, voilà, tout est condensé et il y a vraiment tout dans le même rayon. Quoi. T'as tout, t'as des trucs très pratiques aussi. Et puis, je vous montrerai en rentrant, mais j'ai acheté des tampons. Enfin, c'est plus sophistiqué que des tampons, mais pour marquer les vêtements de Célestin, ils vendent tous les recharges avec et tout. Voilà. Tiens, bah, je suis en train de réaliser que j'ai oublié d'acheter des recharges pour la Dimo. Enfin, c'est pas une Dimo, c'est la Brother. Mais de toute façon, j'aurais pas pu acheter la recharge, je sais jamais la largeur. Enfin, bref, voilà. Mais il y a tout dans cette enseigne. C'est franchement très pratique. Là, du coup, maintenant, donc oui, tout ça pour dire que je vous ferai un point sur les fournitures tout à l'heure en rentrant. Mais bon, je suis contente au niveau budget, on s'en est bien tiré pour 3 loulous, plus plein d'à côté. Concrètement, on est pour 400 euros. Donc voilà, c'est une somme. Mais voilà, on a la prime de rentrée scolaire, comme tout le monde aussi, qui aide un petit peu, donc c'est pas fait pour rien. Donc voilà, mais oui, on a pris pas mal d'à côté, hein. Il y a les dicos, il y a les calendriers, nous on a pris quelques bricoles aussi pour nous, pour le bureau. On a doublé les stylos, voilà, on a pris 5 ramènes de feuilles. Voilà, c'est ça, donc non, honnêtement, voilà, je suis contente. Oui? T'as vu la police? Ah voilà, il était là le buffalo, mon cœur, t'as loupé. Ah bah mince. On voulait à la base, donc là on va aller faire quelques... Oh j'ai pas envie. Non, c'est bon, comme tu veux. On va aller faire quelques emplettes. Faut qu'on aille chez Casto récupérer, chercher le dressing pour Manoutea qu'on avait toujours pas trouvé parce qu'il y avait des ruptures dans les magasins proches de chez nous. Et aller chez Ikea récupérer le meuble pour Célestin qu'on a oublié d'acheter la dernière fois. Voilà, on a acheté les bacs de rangement, on a oublié d'acheter la structure, le caisson. Donc faut qu'on fasse ça. Mais donc moi je m'étais dit, bah tiens, on va manger chez Ikea. Putain, me dit non, pour les petits c'est trop limité et tout. Ah non, c'est pas. Enfin, bah, il y a les boulettes de viande. Hein, Bon, bah, on va chez Ikea, sans se couper. J'ai gagné. Non, je pourrais me prendre du chou. Donc là, elle a pas envie, mais c'est bien et ça suffit. Donc, non, 2m40, oui, tu passes. C'est toujours la question avec le camion. C'est toujours la grande question quand on passe avec le camion. Mais c'était à chaque fois.
Il y a toujours des petits moments de stress, on est toujours en train de se dire combien il fait de hauteur. Chez vous, tu vas acheter un autocollant pour mettre. Mais oui, là. Mais je sais, non, on le fait jamais. Chez vous, on sait jamais si c'est 2m10 ou 2m20. Bah, une étiquette des petits. Oui, oui. Une étiquette de cahier. Il faudra qu'on le remesure parce que je ne sais jamais s'il fait 2m10. Je crois que c'est 2m15. Exactement, 2m15 de hauteur. Bon, du coup, je vous laisse. On arrive chez Ikea, donc on va manger et puis voilà. Et puis, du coup, Casto, ce sera à la fin en repartant. Allez, je suis. Célestin, c'est bon? T'as pris quoi? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Des boulettes. C'est le menu enfant, ouais, c'est des boulettes de viande. Avec quoi t'as pris? Et des frites. Et t'as pris quoi comme sauce? Du ketchup, voilà. Moi j'ai pris mon saumon, c'est mon incontournable. Et puis niveau plat, par contre, j'ai pas eu trop le choix. J'ai une petite pénurie, donc j'ai pris boulet de viande avec un petit peu de féculent et de légumes. Luca, il a fait classique. Hein. Tu voulais, t'aurais bien pris un burger quand même. C'est pour ça que tu voulais pas manger là. Tu peux retirer ta casquette le temps qu'on mange, s'il te plaît? Merci beaucoup. Thomas Nutella, pareil, menu enfant. Alors, je sais, d'habitude, tu prends plus le menu enfant quand même. Hein. Ah là, t'es frustrée aussi. Hein. Non, parce qu'il n'y avait pas de glace dans le menu. Ouais, voilà, donc là, comme tu voulais une glace, du coup, t'as pris le menu enfant. Mais Luca, il a été plus malin, il a pris une glace quand même. Puis chérie, voilà, avec les carafes d'eau. Pareil, il a pris classique, les boulettes avec les frites. T'as soif? Allez-y, on va manger, puis on va continuer le shopping. Pourquoi? Pour acheter ton meuble. Non, on va prendre la glace et après on va acheter ma meuble. D'accord. Attention, pas renverser ton eau. Bon, les repas terminés. Alors, par contre, comment c'est agréable de faire Ikea sans enfants. Avec des enfants, c'est juste pas possible. C'est trop chiant, quoi. Voilà, ils rampent partout, ils essayent tout. Mais nous, on sait que c'est fait pour ça. Mais voilà. Là, on est en train de chercher une inspiration pour le salon, pour le futur salon. Mais on n'a pas. Ouais, le fauteuil est super beau. Ouais, on a eu le prix 299€. Sachant que tout est en mètres 3 ou 4. Ouais bah t'oublies, hein, t'oublies. Du coup on cherche des inspirations pour faire le futur salon, parce qu'on n'est pas d'accord sur la couleur. On voudrait du clair pour éclaircir la pièce, mais voilà, moi je serais bien parti sur du bleu. Il y a un peu couleur paille, enfin les nouvelles tendances. Mais chérie n'est pas trop d'accord. Du coup on est en train de voir un petit peu une mise en situation, de voir un petit peu ce qu'il y a. D'ailleurs on avait piqué l'inspiration là pour la chambre de Luca, de Paulino. Je trouve ça trop stylé avec les planches de skate. Je trouve ça trop joli. Bon allez, je continue, je filme pas trop longtemps parce que les gamins sont dans tous les sens. Paulino, ce qu'il hésitait, c'est qu'on voit pas les motifs sous le. Oui, parce que ouais, vous avez les motifs là sous le skate et du coup ils sont pas mis en valeur. Mais quand il y a des skates classiques, je trouve ça joli quand même. Attends, vas-y. T'es bien, vas-y. Doucement. Allez, on va aller voir le récent. Il est pas mal, c'est le genre. Oui. C'est bien décoré. Oui, joli. Ouais. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est ça. C'est ça. Oh, il y a des clubs. C'est ça. T'aimes bien la lumière là? Célestin, regarde-moi! Mais du coup, tant pis. Est-ce que t'aimes bien la lumière là au plafond? Là? Oui. Comment on l'allume? On peut pas l'allumer là, elle est pas allumée. Célestin, c'est juste de la déco comme ça. Les choses. Il va craquer. Ah non, mais c'est... vu comment il est sage, il n'y aura rien du tout. J'ai voulu lui acheter un tapis de gymnastique là. C'est ça, regarde. Enfin, c'est pas souri. Non, parce que t'as pas été sage, alors du coup t'as rien. C'est une grosse boîte de Lego. Célestin, est-ce que tu serais capable de t'occuper? Fais-nous une petite danse. Tu nous fais une petite danse?
dans le miroir. Comment tu chantes? Allez, on arrête. Bon, allez, il est 5h-10. On vient de sortir de partir de chez Ikea. On a fait quelques petites emplettes. Il était temps que ça s'arrête parce que franchement, ça faisait beaucoup là, ça fait beaucoup dans la journée. Là, on arrive chez Casto, évidemment, notre deuxième maison. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc la mission c'est de trouver le, comme je vous disais, de trouver le dressing de Manika. C'est les tasses de rousseur qui ressortent là aujourd'hui. Donc trouver le dressing de Manutea, le petit dressing puisqu'on veut pas un grand. Et voir pour une cabane à poules pour les poules. Une cabane à poules pour les poules. Non, pour les cabane à poules pour les enfants. C'est une cabane de jardin qu'on a vu. Voilà, mais on va hacker une cabane de jardin. Je vais vous montrer un petit peu. On va vérifier qu'ils aient bien du stock et tout. Parce que l'autre jour, on avait vu vite fait et on n'avait pas le temps. Et oui, et surtout, on avait la petite voiture. Donc voilà, là, on y va. Je croise les doigts pour que ce petit monstre-là soit très sage. On a pris vachement plaisir. Chez Casto. Maintenant, à faire les. Depuis peu de temps qu'on fait les magasins tout seul que tous les deux, quand ils étaient à l'école. On a vite pris l'habitude. On avait oublié à quel point c'était bruyant, surtout Ikea. Stressant, fatigant, épuisant. Ikea, on n'a rien profité du coup. Surtout à cause de toi. T'as pas été très très sage chez Ikea. Il a fait le bazar. On va pas rentrer à la maison. Non, on va chez Casto et après on rentre à la maison, d'accord? Comme ça, une fois rentré, tu vas te coucher. Non. Oui, un verre d'eau et au lit. Bon, une soupe alors. Non, un verre d'eau et au lit. Une petite bouillie. Allez, nous, on y va. Bon, allez, on est dans Casto. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé le dressing de Manutea et qu'on s'est dit, on va en prendre un aussi pour Célestin. Parce que, en fait, Célestin, on devait récupérer un de nos vieux dressings à nous, mais comme je vous en ai parlé il y a quelques jours, les nôtres, ils sont très grands. Et puis, très concrètement, avec vous, enfin, pour aller sincèrement avec vous, c'est des dressings qu'on avait payés 120 euros. Donc, voilà. Mais comme je viens de dire à Ted, sachant que là, il y a du stock, on peut prendre un petit, parce que Célestin, il a même pas encore 4 ans. Il a pas trop de vêtements et tout, donc il a pas besoin d'un dressing à 120 euros qui est immense. Donc du coup on a profité, on a pris deux dressings au lieu d'un. Et par contre mauvaise nouvelle, c'est que notre petite astuce pour le poulailler, et bah il n'y a plus. En fait, très concrètement, il s'agissait d'acheter une maisonnette en bois qui est encore en expo dans le magasin, qui est encore affichée avec les étiquettes et tout. Mais il n'y en a plus, et il n'y en a plus depuis de nombreux mois. Donc voilà, le monsieur s'est excusé, ils ont retiré les étiquettes. Mais c'est parce qu'au niveau national, patati patati, je vais les laisser. Sauf qu'en fin de compte, il a regardé et puis il n'y en a plus nulle part en France, ces maisonnettes-là. Donc, c'est pas grave, on aurait tenté. C'était un bon coup, mais c'était trop beau pour être vrai. Hein. Bref, du coup, là, on va aller voir un petit peu au niveau déco. Si on trouve des miroirs ou des petits trucs comme ça pour les filles. Et puis, trouver aussi, il manque une lampe de chevet pour Manutea ou Maïl. Enfin bref, on va faire notre petit tour. Bon, allez, on vient juste de rentrer, 19h30. On est littéralement cuit de chez cuit. On a mis les meubles juste ici, on les montrera demain. Là, je vais juste vous faire un petit déballage en vitesse de ce qu'on a acheté au niveau des fournitures scolaires, parce que, mine de rien, c'est quand même la chasse aux fournitures scolaires. Et après, je pense qu'on va aller manger. Regardez-moi ça alors. Bon, après, quand je vous dis pas mal lâché, non, ils ont juste fait leur liste. Ils n'ont pas pris d'extra plus que ça. Franchement, ils ont été plus que raisonnables. Et en plus, ils nous ont même pas réclamé plus que ça. Voilà un peu tout ce que l'on a. Alors ça, c'est tout ce qui est cahier pour Luca. Luca, ce qui était bien, c'est qu'il s'est débrouillé tout seul. Il avait sa liste. Et comme on vous disait, tout était sur place. Du coup, franchement, c'est assez simple. Et bah, cahier de qualité, franchement, à des prix hyper raisonnables. Il a fait sa trousse. Alors, pareil, ça, ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez l'acheter, comme on vous le disait, individuellement. Il a trouvé aussi une trousse qui est assez sympa. Son compas, ça, c'est tout ce qui est produit de géométrie pour les filles. On a trouvé les ardoises, pareil, pour les filles, pour l'école, c'est obligatoire. Les petites pochettes, nous, on s'est pris pour le bureau, hop. Ça, pareil, c'est pas mal, parce que ça, en fin de compte, ça disparaît, voire comme, mais carrément la boîte de 50 stylos. On a trouvé, pareil, les petits dictionnaires qui sont demandés sur la liste. Enfin, ça, pareil, on n'a pas besoin de faire 36 magasins. Ça y était directement. Luca avait besoin de pochettes, de feuilles.
de papier humidité. Alors ça, c'est le papier humidité, il va s'en servir une feuille, on le sait comment ça va se passer, mais bon. Voilà, on a trouvé les crayons et les feutres pour les loulous. Les crayons, et ils ont choisi, puis on a pris une boîte en même temps pour la maison, on a pris ça et ça pour la maison. Les classeurs pour les filles, alors ce qui est sympa par contre, c'est qu'il y a des couleurs hyper sympas, hyper girly. Voilà, on a pris également, alors ça pareil, ça c'est le top. Alors par contre, de passage en caisse, c'est un peu galère pour ça, mais ça franchement, c'est le top. On a acheté tout en vrac. Alors vous avez les stylos de toutes les couleurs, les bâtons de colle, on a pris d'avance. Alors comme pareil, comme je vous le disais dans le magasin, on n'est pas trop à dette, mais pour l'école, voilà, ils en veulent. Bah, pas trop trop le choix. Du coup, on a pris ça et voilà, ils ont une tonne de stylos, des petits fluos. Les ciseaux, pareil, les ciseaux sans emballage, ils sont vendus comme ça. Franchement, ça, je trouve ça top également. On a pris les petits cahiers de texte. Alors, pareil, les cahiers de texte, on les trouve hyper sympas parce qu'ils n'ont pas le rose agenda dans nos écoles. Ils veulent un cahier de texte. Mais c'est vrai que d'habitude, on trouve des cahiers de texte à spirale, là, les tout moches ou ceux qui se déchirent. Et regardez-moi, ceux-là, comme ils sont bien, ça fait en fin de compte. Comme un petit agenda, c'est vraiment le cahier de texte pour les grands. Ça fait comme un agenda, mais sauf que c'est en cahier de texte. Alors du coup, ça, je trouve ça assez sympa. Ça fait pas le truc bébé. Alors ça, c'est pour Manoutea. Et celui-ci, c'est pour Maëlou. Pareil, il est trop, trop, trop mignon. Voilà, ils peuvent mettre comme dans un agenda, mettre leurs choses. Je trouve ça pas mal du tout. Choubi s'est trouvé sa trousse de pâte patrouille. Voilà. C'est qui? Voilà, et tiens, tu peux la prendre. Et nous, on s'est trouvé pareil. Alors, ils ont pris ça pour dans leur chambre. Les petits calendriers. Chat pour Manoutea, licorne pour Maëlou. Et moi, je me suis pris celui-ci pour mettre sur le coin du bureau. Parce que pareil, on cherche toujours les calendriers. Et Ophélie a fait la petite trouvaille. Ça, par contre, on trouve ça franchement top. En maternelle, ils demandent de marquer au niveau des affaires ou quand ils vont en pique-nique ou quoi que ce soit. Et Ophélie a trouvé ce petit tampon-là. Franchement, c'est top parce qu'on peut même marquer sur les classeurs, sur les cahiers, on peut même marquer partout. Et il y a des recharges comme ça, 48 étiquettes résistantes au lavage et un mène de... Voilà. Cartouche jaune, franchement, je trouve ça pas mal. On va les tester. Et ça, je pense qu'on vous en reparlera. Voilà pour la liste des filles et de Luca. Voilà, c'est ça. Elle n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. Je pense que pour l'instant, on va le mettre tout dans le bureau. Et puis, on fera la dispatch. On va tout dispatcher au moment voulu. Parce que si l'on met dans leur chambre, le problème, c'est qu'ils vont commencer à jouer avec ou à dessiner. On va se méfier, quand même. Là, on va aller manger. J'ai entendu dire que Sarah nous avait fait des crêpes. Oui, elle a fait des crêpes. Je ne sais pas ce qu'on va faire avant. On va peut-être faire une salade. Il reste du riz. Je vais faire une salade de riz. Peut-être faire une salade de riz. On va manger froid, je pense, ce soir. Moi, je ne veux pas de féculents. Pas de féculents. Je vais faire une salade de tomates. Oui, je vais manger du bruit. Hein, une salade de tomates où on va voir un petit peu. Je vais faire des œufs durs. Et puis, je pense que de toute façon, les enfants ne vont pas regarder la télé ce soir. Ils vont aller se coucher directement parce que là, ils sont claqués. En toute honnêteté, ils nous ont vannés aussi. Voilà, Ikea. Ils ont été sympas. Ils ont été hyper cool. Non, ils ont été hyper cool. C'est petit. Hein, on le sait ce que c'est d'aller chez Ikea avec, c'est le risque, hein, avec des gamins. C'est le risque d'emmener des enfants chez Ikea. Parce que mine de rien, quand on est sorti de chez Ikea, on a quand même passé, avec le repas compris, je crois qu'on a passé quand même pratiquement 3 heures chez Ikea. Ah, du coup, autant les filles ça passe, mais voilà. Un petit garçon de 4 ans, c'est normal. C'est vrai qu'à la fin, par contre, oui, on commençait à péter un plomb parce que. Enfin, nous, on suit. Surtout après avoir fait la chasse aux fournisseurs scolaires. Voilà, et surtout que nous, on ne. Enfin, moi perso, plus moi, je ne supporte pas de voir les enfants. Foutre le bordel dans les. Bah, chez Ikea, en fin de compte, vous voyez tous les gamins aller sur les lits, aller sur les canapés. C'est tentant, même les adultes, hein, la plupart du temps, il y en a plein. Les adultes qui se contiennent. Non, il y en a plein qui se contiennent pas. Hein. T'en vois qui sont avachis ou étalés comme des. Je sais pas quoi. Dans les canapés, je trouve ça un peu limite, quoi. Voilà. Et moi, là-dessus, je suis assez rigide, on va dire. Vieille école. Et je ne supporte pas de voir les gamins courir dans les magasins et de voir. Si. C'est pas que tu ne supportes pas de voir les enfants courir partout, c'est que tu ne supportes pas de voir les parents qui ne disent rien.
Voilà, c'est oui, ça qui bah, supporte oui, pas. Oui, voilà, c'est mais... de voir les parents qui ne tiennent pas leurs enfants ou qui essayent même pas de les tenir. Oui, et moi enfin, je trouve ça que c'est un principe pas. De voilà, de, c'est pas respectable par rapport aux autres personnes qui sont dans les magasins, et je trouve pas respectable non plus par rapport aux personnes qui travaillent aussi dans les magasins. Enfin après voilà, ça c'est mon avis. Petit coup de gueule du jour. Petit coup de gueule. Non, 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 mais après voilà, ils étaient cool, mais c'est vrai que j'aurais tendance voilà, à être un peu chiant et à me pas à me gâcher la vie à cause de ça, mais à être un peu chiant. Très chiant. Voilà. Et bon, c'est comme ça. Je sais, voilà. Vous le voyez pas s'énerver en fait. Voilà. Vous voyez pas. C'est comme ça. Non, non, mais après, voilà, chacun son. Vous parle... voyez, il est énervé. Mais oui, mais je pars du principe que c'est l'éducation, voilà. De... Ah, il vieille France, quoi. Voilà, comme les enfants qui touchaient. Qui touchaient au magasin de fournitures scolaires, qui les prenaient, nôtres, oui, ouais, nôtres, qui ouais. Regardaient. Moi je passe derrière pour qu'ils remettent à la même place, pour qu'ils mettent n'importe où, parce c'est que quelqu'un qui prend un article à la place A et puis qu'il le met à la place B, non je ne supporte pas, c'est enfin ben, voilà, bref. Sur ce, on va manger. Moi j'allais faire un petit tour aux poules quand même, parce que je ne sais pas s'ils ont été, vous avez donné à boire aux poules? Oui, ah bah c'est cool. C'est voilà, vrai. Paulino a étendu la tournée de linge du coup, bah nickel. Ce que j'ai dit à Ophélie, on a eu du beau toute la journée sur Toulouse, on a eu du grand soleil. Bon, à côté de ça, t'as vu du grand soleil toi? Ah oui, bah oui, j'ai même sorti les lunettes de soleil. Mais oui, il y a le ciel bleu. Et là, ici, il y a un nuage, mais par contre, il fait quand même lourd. Hein. Oui, il fait bon, quand même lourd. Mais il y a quand même, je sais pas si vous voyez, mais les montagnes là-bas. C'est couvert, il y a des nuages. C'est pas plus mal, ça fait du ouais, bien, ça s'est rafraîchi. Allez go, on va aller manger, et puis la douche, et puis tout le monde au lit, je pense qu'on va clôturer le vlog ici. Hein, voilà. J'espère que cette chasse au trésor vous aura plu. Cette quoi? Chasse au trésor. Non. Chasse aux fournitures scolaires. J'aurais bien voulu que ça soit au trésor. Ouais. C'est plutôt dans le sens contraire. Vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et... Papa, il a dit que c'était une chasse au trésor qu'on avait fait. Non. Elle est fatiguée. Mettre des petits commentaires aussi. Et puis bon, on vous dit à très très bientôt. Oui, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.